Nous avons créé cette société en juillet 2015, une microbrasserie qui s'appelle Jean Brasse, à Gimont, et qui fabrique des bières artisanales et biologiques. Et aujourd'hui, notre gamme de 6 bières se compose de 2 blondes, 2 ambrées légères, une brune et une blanche. Nous commercialisons principalement dans la filière distribution bio, dans les circuits courts, aussi dans des caves à vin et caves à bière et épiceries fines, mais aussi dans des restaurants et des cafés. La brasserie a été créée à 3 associés, mais tous les 2 sommes les associés principaux. On est en couple à la ville également, et c'était un projet qui nous tenait à cœur de monter tous les 2. Alexis est brasseur de métier, et moi j'ai travaillé dans le bio et le développement durable. Nous sommes 2 Gersois qui nous sommes rencontrés en Afrique, donc monter le projet dans le Gers d'une bière bio a coulé de source. Depuis le début, on travaille avec l'ACMA, la Chambre des métiers du Gers, en partenariat. Donc on leur a demandé de venir faire un bilan énergétique pour nous aider à identifier les points sur lesquels on pourrait s'améliorer et réduire notre impact sur l'environnement. Nous avons une visite d'une technicienne de l'ACMA, une visite gratuite, qui est venue comprendre comment travailler, quelles étaient nos réalités et nos préoccupations par rapport à l'économie d'énergie et d'eau aussi, de manière très globale. Puis, elle nous a fait des propositions après une étude, aussi bien documentaire, les factures d'EDF par exemple. Nous avons eu des recommandations à mettre en œuvre de manière très pratique. Suite aux recommandations de la CMA, on a mis plusieurs choses en place, dont l'isolation des cuves, l'isolation de toutes les tuyauteries, une récupération d'énergie sur les vapeurs qui sont créées pendant l'ébullition du brassage. Donc on récupère les vapeurs pour chauffer de l'eau, entre guillemets, gratuitement, et on récupère cette eau qu'on stocke dans une cuve isolée. Nous avons également fait le choix d'un fournisseur d'électricité qui nous garantit l'origine renouvelable de notre électricité. Nous avons naturellement fait des choix au niveau éco-responsabilité, au niveau de l'économie de l'eau, au niveau de la gestion de nos déchets, en l'occurrence les résidus de malt qui sont donnés à une ferme qui le recycle. Également l'origine de nos matières premières qui est la plus proche possible. Cette année, c'est un voisin qui nous fournira la majeure partie de notre orge brassicole. Nous avons donc éco-conçu nos étiquettes avec du papier recyclable. Et pour la location de fûts de bière, nous mettons à disposition des éco-cups de manière à ne pas utiliser de gobelets jetables. On a décidé de produire comme on consomme, comme on vit de manière générale. Donc on a tourné notre projet avec une philosophie de vie tournée sur l'éco-responsabilité. Donc nous avons commencé cette aventure de manière à mettre en place une entreprise qui nous ressemble, qui soit au niveau qui a du sens, au niveau local, au niveau humain, économie d'énergie, au niveau des échanges, et faire un produit bio qui nous paraissait la base du projet.